Saint-Tibéry pour la quatrième manche du championnat de France de Supercross Outdoor. On va tout de suite passer aux deux manches juniors. Je vous rappelle que c'est Julien Duhamel, le leader du championnat, qui a réalisé la pole position devant Calvin Fontvieille. Duhamel réalise le hold shot, mais il est immédiatement repris par Rousseli qui vire en tête. Dans le premier tour, le leader du championnat fait une grosse erreur sur le triple et se retrouve durant l'intégralité de la course en quatrième position. Blessé au poignet, il ne pourra faire mieux que quatrième. Devant, c'est très simple. Rousseli a toujours mené la danse devant ses adversaires. Et derrière lui, on s'est expliqué en toute fin de manche entre Bonaudin et Lamarque. Bonaudin qui tenait la deuxième position depuis la fin du premier tour. C'est sa meilleure performance cette saison en Supercross. Mais c'est Michael Lamarque qui termine finalement deuxième à l'issue d'un dernier tour très bataillé entre les deux hommes. Première manche signée logiquement et sans grand suspense par Julien Rousseli. En deuxième manche, Rousseli prend les choses en main d'entrée de jeu en partant devant Duhamel et Lamarque. Visiblement moins souffrant de son poignet en rapport à la première manche, le leader du championnat s'accroche à Rousseli pendant que Lamarque reste toujours au contact des deux hommes de tête. Duhamel semble se sentir assez en confiance pour attaquer Rousseli. À force de se rapprocher, Duhamel pousse son adversaire à la faute et en profite pour virer en tête. Il prend même une petite avance. Même si Rousseli est distancé, il revient au contact de Duhamel et Lamarque se mêle également au débat. Mais c'est dans le dernier tour que tout se joue finalement. À la sortie des hoops, Rousseli ressort devant et s'en va signer son deuxième succès d'une soirée parfaite. Troisième de cette manche, Mika Lamarque termine deuxième de la soirée. Julien Duhamel complète le podium. Julien, double victoire sur ces manches ici à Saint-Tibéry. Tu repasses deux au championnat. Quelle belle opération! Oui, c'est vrai, j'avais à cœur de gagner aujourd'hui ici. Je connais beaucoup de monde dans le public. Donc j'avais vraiment envie de gagner cette épreuve. Ça l'a fait, j'ai marqué de bons points et je suis revenu deux au championnat, donc c'est parfait. C'était beau cette deuxième manche, hein ? Oui, c'est vrai, c'était très beau. C'était un peu chaud avec Julien Duhamel, mais tout est rentré dans l'ordre, donc c'est parfait. Eh bien merci, et nous on se retrouvera dès demain matin avec le résumé des finales SX2 et SX1. Ciao, ciao.